ce que Lydia a offert au fondateur. Au père Washington, elle a offert une épée en or pour que l'Éden ait la force. Notre prophète emplit nos poumons d'eau pour leur faire apprécier l'air. Toi qui franchis le Delaware, avec une épée de feu et des ailes angéliques. Protège-moi et donne-moi la force. Éloigne la peur et le doute. Au nom de l'épée, du parchemin et de la plaie. C'est pas parce qu'une ville s'envole qu'elle est remplie de génies. Enfin, j'ai une gamine à trouver, moi. On doit pouvoir arranger ça. Bonjour. Bonjour. La transcription complète du discours du prophète pour vous, peuple de Columbia. Rappelons-nous le divin pardon de notre chère Madame Comstock. Un scout de la liberté n'aime pas. Il n'est pas question de préférence, mais de devoir. Ça veut dire quoi, au juste la Vox Populi? Quel événement aller voir un jour. Grande fête et tombola de Columbia. L'épée lui réussit. La clé et le parchemin un peu moins, si vous voyez ce que je veux dire. John, ne te transforme pas en extrémiste de Finton. C'est là qu'ils m'ont dit que je la trouverais. Télégramme, monsieur DeWitt. Un télégramme pour vous. DeWitt, stop. Ne vous faites pas remarquer par Comstock. Stop. Quoi que vous fassiez, ne tirez pas le numéro 77. Stop, Lutèce. Qu'est-ce que...
vous souhaite une bonne journée. Bonjour. Si je vous disais qu'un homme peut lancer des éclairs du bout des doigts, me croiriez-vous? Si je vous disais qu'un homme peut faire s'élever un animal... Ce sont les jeunes qui ont eu l'idée de se... La bonne populace sème le trouble dans nos rues. Il a vu cette merveille du monde. Il est grand, il est fort. C'est l'incroyable Andy Mann. Seule notre ville... Cher ami, avez-vous déjà perdu de l'argent dans un district? Je vais en prendre un. Un simple murmure, ils sont à vous.